Et donc, salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de ma série sur Company of Heroes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la mission 2. Je vais pas vous... je vais mettre la cinématique, mais la cinématique, vous l'avez vue dans l'épisode 1. Mais juste pour vos jolis yeux, je vais vous la remettre. Allez, à tout de suite. Espérons qu'elle vous plaise. Tintin. Tintin. Désolé pour les petits commentaires très très plates hein, pendant qu'il disait quelque chose, hein, mais tant qu'ajouter de l'énergie dans ces vidéos, hein, autant le faire mal au départ, hein, mais après le faire bien. Donc, on va se retrouver à Virville avec le 101e réoporté et il va y avoir une seconde cinématique, comme pour la première mission à Omaha Beach. Hein. Bon, elle est bien, hein, franchement, les cinématiques sont très bien faites sur ce jeu, j'ai rien à dire. En tout cas, on se retrouve après la cinématique, à tout de suite, hein. LOL. L'insulte d'allemand. Par le général. Frankfroth. C'est pas son nom, mais c'est pas grave. Allez, je me ferme la gueule. Que le tir au pigeon commence! Voilà, ça commence pour nous. Bon, pas tout de suite, hein. Mal. Là, c'est un... Merde. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Vive la 101e! T'as raison, jeune Guy.
Jeune gay, tu me lances une grenade? Vas-y, nique-moi ce canon là. T'as pas que ça à faire. Merci, mon général. Ça fait plaisir d'avoir des ordres. Donc, cette mission risque de durer longtemps parce qu'on doit niquer tous les accalmes antiaériens, plus la fin qui va se dérouler là-bas. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. On va pas la faire en deux parties parce que moi, j'ai pas envie de faire deux parties. J'ai bien envie de vous la montrer au complet, hein, pas en deux parties. Je sais que ça peut être long, hein, mais c'est pas grave. Les missions, de toute manière, vont durer de plus en plus longtemps. Omaha Beach, c'était facile parce qu'il fallait juste dégager la plage. Mais là, ça va être plus compliqué. Il faut qu'on fasse de la meilleure stratégie. Donc, pour ceux qui sont pas contents, hein, vous pouvez dégager de ma chaîne. Et ceux qui ont envie de regarder, bah, vous regardez. Hein. Pour ceux qui ont pas envie de voir des vidéos longues, des vidéos courtes, déjà, ma chaîne n'est pas faite pour ça. Je sais que je vais faire quelques zappings, mais rien de plus. Hein. Des fois, même ce sera même pas des zappings, ce sera juste des vidéos comme ça pour m'amuser. Mais moi, ma chaîne est basée sur la stratégie de la gestion. Donc, ceux qui veulent voir du fun, du délire, bah, il y en aura. Ça, je tiens à le préciser quand même. Mais ma principale, ce sera la stratégie des let's play. Hein. Ce sera pas comme Squeezie ou des petites vidéos délire comme ça. Bon, ici, il va falloir qu'on aille libérer Jean Guy là-bas. Ils sont en train de se faire canarder. Hein. Ils sont dans une grange. Hein. Mais pour ça, on doit construire ça. C'est bon, vous avez construit. On peut y aller. Merci. Petite cinématique. Ouais, franchement, je veux pas dire, mais les Allemands, c'est stupide. Hein. Un Allemand, ça gaspille toutes ses munitions. Juste pour une grange, hein, je tiens à préciser. Donc franchement, GG les Allemands. Hein. Eux, ils tirent, ils ont pas peur de perdre leurs munitions. Hein. À la fin, ils vont plus avoir de munitions, ils vont devoir charger à la baïonnette. Bon, ils ont pas de baïonnette, mais c'est pas grave. Abritez-vous derrière les murs, je sais pas ce que vous faites là, mais c'est pas grave. Ok, moi ces Allemands, ils ont pas que ça à faire. Bon, oula, lui il a fait un vol plané. Alors l'Allemand il a fait ah ben ça a fini comme ça. Donc oui, une petite mission bonus, ce sera de prendre la route. Voilà. Malheureusement. En gros. Voilà. Merci mon général, ça fait plaisir d'avoir des ordres. Oui, il fait froid ici. Désolé, hein, mais c'est juste qu'il fait froid. Hein. Je sais pas. T'as quand même mis la clé? Ou ça se passe comment? Non, bon, ok. Alors. On les entend, hein. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a fait hors piste.
Il s'est imaginé dans un terrain alors puis il a fait ouais. Ah oui, attends, faut que je prenne le point. Je suis stupide. Allez, dépêchez-vous les mecs, on n'a pas que ça à faire quand même. Hop, on va tous leur donner le canon à main. Je peux plus. Donc on peut voir hein, ces hommes. Et quand même, le jeu est quand même beau. Hein. Pour qu'on voit, il y a un détail aussi bien. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est vraiment beau. Hein. Et je suis en élevé partout, partout. Hein. Et mon jeu, il prend même pas la. Il prend même pas. Parce qu'en fait, le jeu, ça. Si tu augmentes plus, ça va te dire qu'est-ce que ça prend sur ta comme performance sur ton ordinateur. Ça prend même pas la moitié, je dirais même pas le un quart de la performance de mon ordinateur. Donc très franchement, y a rien à dire. Ce jeu est super bien optimisé. Franchement, j'adore, j'adhère. On va prendre une mitrailleuse lourde. Ah non, 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 laisse tomber, laisse tomber. Allez, c'est un grenade. Bon, on peut y aller. On va aller d'abord libérer ce dépôt de munitions. Parce que la mission, elle n'est pas tout de suite obligatoire. Hein. On peut poser des mines, mais avant, on va aller prendre le dépôt de munitions. Déjà une priorité. Ah mais ça va, je suis à l'autre bout de la route aussi. C'est bon, hein. Merci, hein. Ici, il continue à tirer, hein, malheureusement. Ta 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 ta. Allez, dépêchez-vous. C'est pas compliqué, mettre un drapeau, enfin, fond, franchement. Alors, voilà. Ouais, mais je sais, mais oh ouais, calme-toi, s'il te plaît. Oh, mais oh, ils se prennent pour qui, eux? Voilà, en plus, ils ont fait voler la palme. Mais... Franchement, bravo, hein. Elle était bien, elle était tranquille, hein. Elle était tranquille, elle était posée, puis vous la détruisez. Allez, voilà, tombez dans l'eau, tombez dans l'oubli, voilà. Hein. Non, mais oh, ils se prennent pour qui, sérieux? Franchement, bande de sales Allemands. Bon, désolé si j'ai déjà. Désolé si j'ai des abonnés qui ont de nationalité allemande ou qui ont des origines allemandes. Mais franchement, hein, ils ont détruit une palme d'avion. L'avion, il a rien fait. Franchement, c'est pas bien. Hey, ok, on peut passer à côté pour le génocide. Mais franchement, à côté d'une palme. Hey, non, franchement. Oh. Attention, je tiens à préciser de tout ce que je dis est fictif. Hein, c'est dommage, hein. Mais je suis en train de rigoler pour une palme, hein. C'est franchement, c'est cruel ce qu'ils ont fait aux Juifs, hein, franchement. Même moi, j'aurais pas été capable. Moi, j'aurais fait, non, non, c'est quoi? Non. Allez, allez, allez crever, bande d'Allemands. Cordialement. Bon, on a des, on a des, on a des, on a des, mince. Ah, merde. C'est tombé. Dégagez, dégagez. On va attendre que la prochaine patrouille passe. Je peux pas laisser compromettre, faut pas qu'il voie la route. Oh putain, oh putain, oh non! Oh merde. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Pardon, hein, désolé, mais enfin bon. Bah, tant qu'ils l'ont fait, hein, bravo, bravo. GG. Ils ont une chance de monstre. Bah ouais, man.
Franchement, j'aurais voulu faire ça autrement. Mais à fond, faut croire qu'ils sont pas d'accord avec moi. Hein. On a eu de la chance, hein, parce qu'on a eu très peu de pertes. Mais franchement, non, c'est pas grave, hein, après tout. C'est une erreur, hein. Franchement, si j'aurais été dans cette situation aussi, j'aurais tiré, hein. J'aurais pas hésité. C'est ma vie. Quoi? Mais t'es sérieux là? Eh mais attends, je viens de détruire la patrouille. Bon. Bah alors, mon gars, on va les attendre de pied ferme. Oula, pourquoi il tire? Ah d'accord. Y a un grenadier qui s'est pensé suicidaire. La moto l'a fait. Ah oui, mitrailleur tué. C'est ça qu'on aime. Ah, incontrôlable. Non, non, non. Non. Ouf. Alors là, on est pris entre deux feux, hein, je tiens à le préciser. Bah ça va, on s'en sort. Ah tiens, vous avez pas le canon? Ouais mais. Tenez, prenez-le vous. Je vais aller me lancer une grenade là. Soyez motivés. La grenade est ratée. Putain, mais ils sont sérieux. Mais il y a combien de... Je sais plus combien il y en a. Mais je crois qu'il y en a une bonne... Une bonne flopée, effectivement. Attendez, vous... Vous... Vous allez me faire un plaisir d'éliminer ce... Ennemis pas beau. Motivez-vous! Alors, attendez. On va juste dire. On va juste répondre à Mario, hein, oui. Ça va bien. Donc, désolé, hein. Eh, hey, oh! On se fait contourner, les mecs! Ah, on a éliminé les sections. Bon, c'est parfait ça. Ok, bon, voilà. La discussion vient de se terminer là. Ouf. Ah non, vous allez prendre l'arsenal là qu'on était censé prendre pour éliminer la route, hein, mais moi j'ai fait non, non, j'ai pas envie. Bon, en attendant, vous allez continuer par là-bas. Ah non, juste prenez-moi ça. Oula, pourquoi il tire? C'est un officier, les mecs, c'est un officier. Ça va pas vous tuer. Oula. C'est moi une grenade, enfin bon. Le gars, il a vu la grenade, il a fait. Ah! Bah, tu peux tirer? Tu peux tirer aussi. Mais non, mais pas ça. Ça! Regardez par là! Je crois qu'il y avait plus de gens pendant un moment.
Allez, meurs bien, officier! Ok. Alors, j'ai pas envie de capturer le pack 38, ça sert à rien. Il faut que je neutralise tous les canons de DCA. Ok. Alors, en attendant, vous. Vous allez faire une percée dans les rangs ennemis. Et que ça saute, bande de jambons. Voilà, ça c'est bien. Ça, j'aime ça quand ça. Quand j'aime ça quand ils écoutent. Parce que parfois ils écoutent jamais. Hein. Même dans des parties escarmouches, hein, c'est. Empêchez-les de se poser. Voilà. Apprenez-leur qui sont les boss. Entre l'Allemagne et l'Amérique. Arrête de parler tout seul, franchement, mec. Le gars, il était. Allez, allez, on y va, mais t'es tout seul, t'es le dernier de ta section, s'il te plaît. Tu prends pour un stupide ou ça se passe comment? Ah là là là, les Allemands. Je comprendrai jamais. En attendant, vous allez me construire ça. Donc désolé si je parle pas beaucoup, hein, mais j'essaie de me concentrer parce que j'ai quand même envie que je réussisse la mission parce que ça me ferait pas mal de perdre. Mais voilà, je vous propose un let's play, puis je vais faire de mon mieux. Donc si je parle pas, c'est normal, hein, c'est parce que je tiens à me concentrer. Mais en tout cas, si je fais des let's play, c'est juste pour vous montrer que, voilà, il y a des jeux, beaucoup de jeux en ce moment sont du Call of, du EBF ou du Minecraft. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein, il y a d'autres jeux. Bon, attendez que j'aie fini de construire, s'il vous plaît. Bon, ils sont chiants. On envoie la mitrailleuse laser. On a trouvé la mitrailleuse laser, je ne sais plus parler. Bon. Pendant ce temps, eux, ils vont attaquer ce côté. Le mec, il a fait... Non! Oh bon. Lol. T'es mort. Tu ne peux plus rien faire. T'es mort. Oula, oula, le mortier. Oula. Oui, lui s'est mangé. Est-ce qu'on l'a eu? Parce que je sais que j'ai vu que deux corps. Ça, c'est leur morale en passant. Hein. Je tiens à préciser. Moi j'ai un moral d'enfer, eux ils ont un moral de... De pas d'enfer. Par contre... Oula, oula, oula! Ça se passe comment là? Ah voilà. Le gars il a récupéré la mitraillette en 2 secondes. Envoyer une grenade, on n'a pas que ça à faire. Voilà. Bah ouais, une grenade. Pas que ça à faire. Oui, pouf.
Bon, on va se concentrer un petit peu sur ce côté-là. Là, c'est vrai, il y a une section ici. Allez, les mecs! Allez les mecs, on se replie les mecs. Oui, ils sont. Oh, ils étaient sur le bord de la mort, franchement là. Voilà. Vous allez protéger les mitrailleuses. Ouh. Je peux vous dire qu'on vient d'avoir de la chance. Parce que cette mission, elle est compliquée. Elle n'est pas compliquée en soi, mais c'est que les Allemands ont plusieurs comment, plusieurs unités, ainsi que des canons de DCA, et puis ça fait mal, hein. Je crois que c'est du 20 mm. Ouais, c'est ça, c'est du 20 mm. Et tu veux pas avoir un 20 mm. Tu veux pas recevoir une balle de 20 mm. T'as pas envie. Parce que ça te transperce, hein. T'as même pas le temps de survivre, à mon avis. Je me suis jamais. J'ai jamais eu un 20 mm. Qui a attaqué? Pourquoi t'as attaqué? T'as pas attaqué, y'a personne. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Alors là, on peut voir un champ en feu. Oh, y'a un mortier dans le coin. Bah, servez-vous, oui! Mais non, mais j'ai pas trop le temps. En fait, à vrai dire, là, j'ai pas trop le temps. Tu quel gars qui. Il est encore vivant, lui? Ah, bah, il va pas l'être pendant longtemps, à mon avis. Et ouais, comment il se passe la mitrailleuse en mode. Allez, tiens, voilà la mitrailleuse, c'est cadeau. En PC, la mitrailleuse, voilà. Vous avez l'autorisation de tirer. Qu'est-ce que j'aimerais pas me recevoir un coup de canon dans la face. Ah, tu dois tellement souffrir. Grenade! Grenade aveuglante! Bon! Parfait, jeune Guy! Et le truc est même pas fini, arrêtez de le tirer dessus. Arrêtez. Voilà, il y a même plus de radio maintenant, génial franchement. Moi je peux pas regarder hein, à moins que. Non, c'est halt. Hop. Il y avait rien en fait. On tourne au départ. Bon, on va les reprendre hein, ce qu'on a capturé, hein, bien sûr. Oh, mais des. Oh, hey, c'est bon, hein? Je pense pour qui? Non, mais. Bande de. C'est mon territoire! C'est la France que vous avez là. Bon. Désolé, hein, on. Il est où ce mortier? Je croyais qu'il parle. Donc, désolé, on a une incrustation hein, dans ma chambre. Un chien, plus précisément. Bon, on va vérifier s'il n'est pas dans le coin. Je pense qu'il est par là.
Bon, je viens de trouver mieux. Ah, il était là! Vas-y, envoie une grenade, non, pas que ça à faire. Oh non, le retour du soldat buggé! Oh, pendant un moment, on a eu le retour du soldat buggé. Pendant un moment. Oula. Le soldat buggé version 2.0 est de retour. Parfait, parfait, parfait. Allez les mecs, allez. Attention les mecs, ça va pas être une partie de plaisir les mecs. Bon, t'arrêtes de faire des va-et-vient toi? Non mais. Oh putain! Ils prennent pas la fuite, ta gueule! Pardon, désolé, mais ils prennent pas la fuite, regarde ce qu'il y a, mon gars! Non mais oh! Oula! Oh, lui, il est passé dans les bois. On sait plus où il est. Franchement, j'ai peur. Hein. Je sens la mort venir à 100 km. Oh, il me faudrait bien un canon. Prenez-moi ce canon, prenez-moi ce canon sans tirer. Voilà, allez-y. Que quelqu'un le prenne, que quelqu'un le prenne. Allez, tire. Là, lui, tout seul, attends, on va lui envoyer des copains. Il faut que je nique ça. Aïe! Ça fait mal. Regardez tout ce qu'il y a. Ici, on va tenter un contournement. Oh non, les mecs! Hey, le soldat inconnu! Là, non, 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 non. Alors là, c'est priorité à... La priorité, c'est toujours les mitrailleuses.
Regarde, t'envoyais une grenade. Et vous voyez, quand je vous dis qu'ils ont encore beaucoup de personnes, hein. Eh, c'est pas un mensonge, c'est pas un mensonge. Alors là, attendez. Où ça? Motivez-vous. Je sais que je fais du beau travail. Ah là ça! Ah là ça, bande de gens! Dites-moi ces personnes! Ah, je crois que j'ai plus de mitrailleuse. Ça fait descendre la pauvre. Alors, vous. Bon, et c'est reparti pour un tour. Mais c'est pas possible, sérieusement, c'est quoi? J'ai non, mais franchement. J'aurais bien voulu avoir le canon, mais je l'ai détruit. C'était drôle de le détruire.
Attendez, je reviens. Désolé. Il fallait que je vérifie quelque chose. Il y a plus de canon de dessert, mon gars. Désolé de te le dire, mais il n'y a plus de canon. On les a tous détruits jusqu'au dernier, malheureusement. Donc on a encore une minute, hein. Bon, en attendant les dernières minutes, hein, qui arrivent, je tiens à vous remercier d'être aussi d'être nombreux à regarder ma chaîne. Je sais que bon, voilà, j'ai que 30, 33 abonnés à l'heure actuelle, mais quand même 33 abonnés, c'est déjà bien pour moi, et je vous remercie d'être 33 personnes à me suivre. Mais pour 33 personnes, il y a quand même 1040 1000 480 quelque chose de même personnes qui ont regardé ma chaîne, et quand même c'est 1480 personnes, franchement, 1448 quoi, je sais plus, mais bref, dans les 1000, hein, dans les 1000 et plus, c'est 1000 et plus, franchement merci de regarder ma chaîne, merci de regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir, parce que je pensais pas être déjà à 33 abonnés. Pour moi, je pensais pas faire une petite percée, là c'est quand même une petite percée, parce que je connais des amis qu'on va retarder. Quoi? Oh non, hey, tu viens de me rajouter du temps. Oh, bon, bref. Et le convoi a été retardé. Je savais pas, hein, j'ai jamais eu ça, convoi retardé, franchement. Mais bref, ça me permettrait. J'aurais. Non, j'aurais pas pu aller chercher les canons. Ils sont à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Bon, bref. Donc, je tiens à vous remercier pour être 33 abonnés déjà. Merci aux 33 personnes. Ça me fait hyper plaisir. Je pensais pas être en arrivé là, hein, mais pour moi, les 100. Franchement, pour les 100, je crois que je vais être en extrême joie. J'espère que vous allez être aussi nombreux. Je pense que. J'espère qu'en tout cas, je me perds mes mots, mais je suis sous la joie. En tout cas, j'espère que mes vidéos vous plaisent. J'espère que mon contenu est satisfaisant pour vous. Je tente de rajouter des nouveaux trucs. Là, je vais bientôt avoir une nouvelle carte, un nouveau micro et tout. Et donc, du coup, je vous remercie, hein. Je parlerai un petit peu après la vidéo, mais voilà. Vous avez le feu? Vous avez le feu vert? Ça doit faire mal, hein.
Comment éliminer un convoi en 30 secondes? Oh, plutôt! La mission n'était pas encore finie. Voilà, on a réussi la mission. Alors, on va aller au menu principal. J'espère que... Donc après, ce sera 40 ans. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire. N'hésitez pas à commenter. Hein. Je viens de le redire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Désolé si je parle aussi vite, mais j'ai de la compagnie. Allez, salut tout le monde.